Bonjour, bien, on se trouve ici au journal La Marseillaise, en compagnie de Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football, et en compagnie du Ballon d'Or, comme vous l'avez reconnu. On va demander du coup à Pascal Ferré quel est évidemment le but de votre venue ici à La Marseillaise. Je crois qu'il y a quelque chose de spécial autour de l'OM ce samedi. Quelque chose de spécial autour de l'OM et de Marseille, puisqu'à l'occasion des 1 an de la nouvelle formule de France Foot, on a décidé de faire un numéro spécial. Et donc pour réaliser un numéro spécial, il nous fallait un club spécial, il nous fallait une ville spéciale. Et donc notre choix s'est tourné à l'unanimité du côté de Marseille et de l'OM. D'accord. Et vous nous avez amené le Ballon d'Or, c'est aussi l'occasion d'en parler, déjà parce que c'est vrai que ça fait rêver tout le monde. On a vu l'émulation qu'il y a eu ici à la rédaction quand on a dit que le Ballon d'Or venait. Les modalités du scrutin ont changé là aussi, donc c'était aussi important d'en parler, c'est important de le dire aux gens. Oui, c'est ça, on a officialisé ça il y a quelques temps. Il va y avoir du changement, il y a du changement, puisque désormais le Ballon d'Or va s'adosser non pas à une année calendaire, mais aux saisons. C'est-à-dire que les joueurs vont être jugés, jaugés, non pas du 1er janvier au 31 décembre, mais plutôt du mois d'août au mois de mai, juin. Comme ça, ça sera plus facile pour nous de les juger, parce que plutôt que de juger et jauger sur 2 demi-saisons, on va les jauger sur une saison dans son intégralité. Merci, parfait.